Maximum endurance 2 hours, and a maximum range of 1,800 nautical miles. La connotation européenne est bien marquée sur cet Eurofighter avec deux réacteurs Eurojet, deux réacteurs EJ200 poussant 9 tonnes de poussée. Ces 9 tonnes de poussée parleront dans quelques instants. Dans le nez de l'avion, dans la pointe avant, se trouve le radar du consortium Eurojet. Et ben, l'europilote, c'est Bof Beltrame. The Typhoon is presented for us by Major Raffaele Beltrame, radio call sign BOF, from the Italian Air Force. Rappelons que le Typhoon a été construit en coopération entre l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Grande-Bretagne, et que deux autres pays se sont portés acquéreurs de cette machine pour assurer la défense de leur pays, l'Arabie Saoudite et l'Autriche. On se souvient que la France avait participé au début au programme européen, qu'elle a simplement dû quitter puisque l'avion, de par son poids, n'était pas navalisable. C'est la raison pour laquelle elle s'est isolée en construisant le Rafale. Les besoins, bien sûr, n'étaient pas les mêmes pour les quatre pays restants, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Grande-Bretagne, qui avaient le besoin commun de remplacer plus de 10 avions. Tous différents, bien sûr. Un superbe passage basse vitesse, on voit très bien les plans canards s'agiter aussi vite que les surfaces du bord de fuite de notre Airbus tout à l'heure. Tout simplement parce que tout ce petit monde est piloté par des commandes de vol électriques associées à un ordinateur.
Une post-combustion omniprésente pendant la présentation en vol du Major Beltrame, hormis ce beau passage lent dont les évolutions étaient soulignées par les fumigènes, les smoke winders qu'on trouve en bout d'aile, uniquement dans le but de souligner les évolutions, de les marquer, et bof vient de sortir les éléments. Le canard avant, ces deux surfaces mobiles jouent un rôle très actif dans la décélération et participent donc au confort de pilotage à l'atterrissage et dans les manœuvres de combat. Alors on va laisser filer notre Eurofighter qui va aller là-bas, tout là-bas, rejoindre son emplacement sur la zone d'aviation d'affaires, accroché à son petit parachute. Et on va remplacer dans le ciel du Bourget un avion venu d'Italie. Cet Eurofighter était donc aux couleurs de l'Aeronautica Militare italienne. On va les remplacer par un autre avion italien. Celui-là est un avion cargo de transport militaire. Un avion issu du programme du Fiat G222. Et après quelques mutations,